Parce que l'art et la culture innovent aussi loin des villes, le magazine Champs Libres explore les initiatives étonnantes au cœur des campagnes de la Nouvelle-Aquitaine. Au sommaire de Champs Libres aujourd'hui, une escapade en Charente, Gironde, Lot-et-Garonne et Landes. Sylvie Balestra mêle danse contemporaine et anthropologie, un focus tout en mouvement. Tous les jours, Anne Canta Corsini a photographié la nature autour d'elle, des images oniriques pour notre rubrique Vue. Pour du bout du monde, rendez-vous avec Mazan, auteur de BD charentais et archéologue des cinq continents. Et si les journalistes quittaient leur rédaction pour rencontrer leurs lecteurs? C'est le pari des ateliers couture, un focus au bord de l'eau avec de sacrées pointures. Dans la rubrique Lue, Into the Land, ou la drôle de quête miraculeuse de Sébastien Laurier. Attention, déferlement d'artistes dans une bastide lot-et-garonnaise, un grand format dédié à la belle aventure d'un festival à Villeréal. Champs Libres, loin des villes, le magazine des arts et de la culture en Nouvelle-Aquitaine, ça commence. La chorégraphe Sylvie Balestra a fait le choix de vivre et de travailler à la campagne. Ses spectacles, fruits d'une démarche intellectuelle peu commune, tournent dans toute la France, comme ici à Bordeaux. Je dirige la compagnie Silex, qui est installée en Lot-et-Garonne. Voilà, je suis chorégraphe, danseuse. Et puis la spécificité de mon travail, c'est de mélanger danse et anthropologie. Je suis allée vers en fait, l'anthropologie, donc les sciences humaines, pour trouver une ressource scientifique, une façon d'observer et d'aller hors des studios de danse et plutôt de voir comment les autres bougent. Et les autres, c'est plein d'activités et au fond de communautés différentes parce qu'on appartient tous à des communautés différentes. En fait, Greux, c'est 3 mètres de diamètre. Donc je danse à l'intérieur d'un cercle que j'ai formalisé avec une corde toute simple. Le public est tout autour, en cercle. J'avais envie d'un très beau costume, puisque c'est un costume qui fait aussi décor, puisqu'il n'y a rien d'autre. Dans l'écriture chorégraphique, je suis d'abord une grosse bête avec peu de mobilité, et puis je finis comme un oiseau, avec beaucoup de gestes beaucoup plus sophistiqués, jusqu'à ce que je redevienne danseuse et que j'invite tout le public à continuer le rituel avec moi et à danser en se donnant la main, en faisant une ronde. Et au milieu du cercle, en fait, il n'y a plus que mon costume totem autour duquel on danse. Quand elle n'est pas en tournée, Sylvie s'implique là où elle vit, dans le Fumélois. Dans ce territoire autrefois industriel du Lot-et-Garonne, elle mène de nombreux projets autour de la danse, comme ici, au collège de Fumel, avec une classe de SECPA. Le projet s'appelle « Être jeune à Fumel ». La chorégraphe nous a proposé d'interroger les enfants, les élèves, sur leur façon de vivre leur vie à Fumel. Petit à petit, ils comprennent qu'ils s'expriment non pas par la parole, mais par Attention le corps. À pas trop vous éloigner. Dès que vous vous éloignez, l'information, elle se perd. Aujourd'hui, c'était une séance assez importante parce que je vais revenir encore une dernière fois pour être en atelier et on expérimente beaucoup de choses. Et après, ça sera le moment du tournage in situ en extérieur. Donc là, c'était un peu le moment charnière. Ça rentre en cohérence avec mon travail parce que d'abord, j'essaye de les amener à être au plus proche de ma démarche artistique. C'est-à-dire que je ne viens pas leur donner une chorégraphie. Je les amène plutôt vers comment on crée. Et au fond, je ne viens pas pour leur apprendre quelque chose, je viens pour qu'on fasse ensemble. Ça marchait bien, mais je suis très proche de mon processus. Entretien, discussion, réflexivité, donc qu'est-ce que c'est être un jeune aujourd'hui, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce que c'est Fumel pour moi, qu'est-ce que c'est l'image de moi quand j'ai
maximum 12 ans. Donc ça, on en parle et ensuite on quitte la parole. Et au fond, comme dans mes spectacles, c'est documenté, mais à un moment, on rentre purement dans le travail chorégraphique. Avec la rubrique Vue, découvrez l'univers d'un photographe. Prise dans les Landes, le Médoc ou près de Langon, les photographies d'Anne Quentin Corsini sont habitées d'ombre, de lumière et de couleurs irréelles. La silhouette d'un arbre perdu dans les brumes matinales, des rayons du soleil striant l'horizon, des gouttes de pluie métamorphosant la nature, les photographies d'Anne sont éclairées de l'intérieur, à la manière des plaques de verre de la fin du 19e siècle. Sauf qu'ici, ces paysages fantomatiques, elle les arrache à l'instant présent, le plus souvent avec son téléphone portable. Des forêts, des arbres, des chemins, des routes. Un travail tendant vers le minimalisme pour celle qui, au fil de la longue maladie qui finira par l'emporter, s'est progressivement allégée. Contrainte à faire et refaire inlassablement la même route en voiture pour se faire soigner à la ville, Anne Quentin Corsini a puisé dans cette répétition une matière artistique d'une grande densité. Cette route qu'elle a faite et refaite, dans la nuit, le brouillard, sous la pluie ou le soleil, à toutes les saisons, cette route qu'elle a sublimée, c'est l'ultime sujet d'une œuvre laissée par une artiste voyageuse en quête d'apaisement. Une œuvre lumineuse comme Anne a su l'être, jusqu'au bout du chemin. Entre Charente et Laos, rendez-vous du bout du monde avec les dinosaures de Mazan, auteur et dessinateur de bande dessinée. Quand j'avais 5 ans, ce que je voulais faire, moi, c'était paléontologue. C'était mon envie de gamin d'aller à l'autre bout du monde, de trouver du dinosaure. Et je faisais des petits dessins où je mélangeais un petit peu tout. Je mélangeais à la fois les hommes préhistoriques, les mammouths, les dinosaures, tout en même temps, peu importe. Mais ça me donnait l'occasion de dessiner et de faire des grandes illustrations. Moi, j'habite en campagne, à Chambillon, c'est une petite bourgade de 400 habitants. Et à quelques kilomètres, à moins de 10 kilomètres, toujours en campagne, à Anjac-sur-Charente, on a découvert le plus grand site à dinosaures européens. Et j'étais tellement ému et époustouflé par les trouvailles, surtout qu'en plus, à ce moment-là, on a trouvé le plus grand fémur du monde, que je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je dessine. Donc là, je suis parti au Laos sur 3 missions, avec le National Geographic et le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, où il fallait donc découvrir une nouvelle espèce de dinosaure, l'Ichthyovenator laosensis, donc voilà, le chasseur de poissons laotien. Et voilà, maintenant je suis en train de faire des illustrations, un petit peu comme j'ai derrière moi, des illustrations avec des ossements, des choses qui sont très scientifiques, et puis des illustrations des fois rigolotes, et puis une petite bande dessinée que j'ai faite qui s'appelle Mimo, avec donc des petits personnages, des dinosaures qui ont été découverts voilà, dans ce site charentais, vraiment au bout du monde finalement. À Couture, tranquille bourgade du Lot-et-Garonne, la crème du journalisme national et international part à la rencontre de ses lecteurs le temps d'un singulier festival d'été. L'occasion de mettre des visages sur des grandes plumes, de participer à des débats de haut vol et de croiser du beau monde, à l'instar du couturier Jean-Charles de Castelbajac ou de la cantatrice Barbara Hendrix. Mais en tout cas, je vous souhaite vraiment un très bon festival. Et comme on dit à Cannes, je déclare la 2e édition des Ateliers de Couture ouverte. Marraine d'un festival de journalisme, moi je ne suis pas journaliste, je dis mais quand même, le média c'est quelque chose de très important pour moi, parce que le média est libre et engagé comme pilier pour la démocratie. Et je voulais montrer mon soutien comme citoyenne, parce que on a besoin de la presse, mais on a besoin aussi des citoyens informés. Les ateliers de couture, c'est une première en France.
ce festival du journalisme, qui ne sont pas des assises professionnelles, j'insiste. Mais c'est la première fois en France qu'un festival a été créé où les invités sont des journalistes et où le public est le grand public. Un festival, ça doit être enraciné, sinon ça ne marche pas. Parmi nos 7 thématiques, une thématique qui s'appelle le défi de l'eau, qui concerne le monde entier aujourd'hui, soyons bien d'accord là-dessus. Mais doublement ici à Couture, que je vous explique, on est au bord de Garonne, où les pêcheurs ont des difficultés. Les derniers pêcheurs professionnels en Lot-et-Garonne, il n'y en reste plus qu'un, il est ici à Couture. C'est une thématique qui a un ancrage ici particulier. C'est une réalité ici qui concerne beaucoup les gens, l'eau. Avec l'eau, l'une des autres thématiques fortes du festival est le défi énergétique. Technologique aujourd'hui, c'est quasiment primitif quand on parle de technologie énergétique. Ce débat-là, c'est le premier débat de notre atelier. Et là, on parle de la transition énergétique en Allemagne, mais on compare aussi un peu avec la France. C'est un des grands défis de l'Allemagne parce que les Allemands ont décidé de sortir du nucléaire. Donc, il faut bien se poser la question si ça peut se faire, à quel prix. Et je pense que ça intéresse pas mal les Français parce que la question en France n'est pas du tout résolu non plus. Le plus important, c'est vraiment d'être dans une région, on va dire, où on est un peu coupé de la piscine parisienne journalistique que beaucoup de gens qui sont ici connaissent et qui fait qu'on ne parle pas aussi ouvertement. Ce festival s'appelle le festival du journalisme parce que ce sont des journalistes qui l'animent et qu'on a essayé. Et pourquoi vivant ? Parce qu'on a essayé de privilégier les récits de vie, les témoignages, l'interaction avec le public. Mais le principe, c'est quand même d'abord que nous, journalistes, intervenir d'autres personnes de la manière la plus vivante possible. T'es mon assistante, tiens, faut tenir ça aussi. Après une étonnante rencontre intitulée « Danser avec les oiseaux », balade artistique dans les rues de Couture avec l'un des plus grands créateurs de mode français. Là, c'est bien. Là j'aime bien, c'est typique d'une situation intéressante, ça, vous voyez ? Parce qu'il ne faut pas non plus dessiner pour dessiner. Moi, j'ai toujours cru que Matisse, c'était un artiste de la fulgurance, que c'était un artiste du geste. Et là, j'ai découvert que pas du tout. Que Matisse était bien loin du geste, qu'il était vraiment un artiste qui préméditait son trait. Et donc, je me suis mis à copier Matisse. L'avenir, comme je ne suis pas une Parisienne qui vient faire son show 3 jours, pour moi l'avenir c'est de faire durer ce festival à tout prix, c'est que ce bébé grandisse, on est là pour durer quoi. On veut faire avancer les choses, on veut remuer les consciences, mettre des petites graines dans les esprits, puis voir si ça germe ou pas. Là, à 100 mètres, m'atteint un nouveau col, hors catégorie. Le Tourmalet semble une amusante collinette face au mur de bitume que je vois. Bon Dieu, ça va monter. Eh bien, soit. L'homme de la quête se doit d'accepter les épreuves. Mais très vite, mon problème de dérailleur, si c'est un problème mécanique, m'empêche d'utiliser le petit plateau. Pourquoi il ne veut pas descendre, merde, Saint-Christophe, à l'aide ! Où es-tu ? Me voilà obligée de mettre pied à terre. Into the Land, c'est le parcours d'un monsieur qui est atteint d'une maladie génétique et qui un jour, il ne pouvait plus se lever, il ne pouvait plus marcher. Il a décidé de refaire le parcours qu'avait fait son grand-père quelques années plus tôt et il a décidé donc de faire le parcours des sources guérisseuses des Landes. Ici, les sources guérisseuses, c'est presque une mode. Hein. Il y a eu beaucoup d'écrits là-dessus. On n'avait pas beaucoup de médecins à une certaine époque, mais par contre, les croyances étaient très, très importantes. Est-ce que ce n'était que des croyances ? La question est là.
dans sa façon d'écrire, avec ses pointes d'humour, en nommant notamment son vélo cheval et son genou Bob, et il leur parle, ils deviennent humains, c'est très beau, c'est une complicité. Et puis quand on a fini de lire ça, on se dit, tout compte fait, c'est vrai que les choses simples sont souvent les meilleures. Dans la Bastide de Villeréal, un jeune couple de metteurs en scène comédiens a choisi de créer un festival d'été pour voir le théâtre autrement. Ici, le théâtre, c'est la Bastide. Et quand au mois de mai débarquent une soixantaine de jeunes comédiens venus de toute la France, ce sont des spectacles sans tabou, à la fois populaires et exigeants qu'ils inventent. Un festival à Villeréal, ou comment le théâtre s'est emparé d'un petit coin de campagne. C'était déjà au niveau de l'heure. On voulait essayer des rencontres le matin parce qu'il y a une écoute particulière, surtout pour ce genre de musique. Et puis qu'on s'attendait à ce que ce soit un public qui n'est pas forcément initié, donc c'est toujours un peu délicat. J'ai essayé d'assumer un peu le principe de ce festival qui est de créer sur place ce que font tous les comédiens et tous les metteurs en scène ici, c'est-à-dire qu'ils restent un mois et puis ils créent leur spectacle ici. Donc je voulais que ce soit des gens qui ne se connaissent pas. Donc c'est un peu ce défi-là. L'impro sert aussi à ça, de rencontres assez simples et puis voilà, de partager des univers. Et notamment parce que ça l'accompagne aussi. Du coup, on commence à connaître les gens du village depuis un bout de temps. Il y a un autre rapport qui se fait sur un temps plus long aussi. Tout ce qui est montré pendant le festival a été construit ici, pour ici. Tout le processus de création qui d'habitude est enfermé dans la boîte noire, dans le lieu, le bâtiment théâtre, là est ouvert aux quatre vents, dans le village, et avec des connexions très fortes avec le quotidien du village et la vie du village. C'est que du coup on fait un appel à projet, les gens répondent à cet appel à projet avec un désir de créer qui est leur. Il faut avoir la disponibilité pour que ces discussions collectives viennent perturber le projet. C'est un dialogue permanent entre ce qu'on fait ensemble et le projet individuel. Et... Villeréal, c'est aussi une réflexion, comment est-ce qu'on peut re-rassembler tout ce qui fait sens à notre pratique. Vassia, je t'aime. Tu vas voir la vie paisible qu'on va vivre tous les deux. Si tu savais, Vassia, à quel point je t'aime, tu m'aurais pas posé cette question. Non, parce que je sais pas d'où ça vient que tu m'aimes si fort. De tous les toits de l'un et l'autre quai, on voyait monter et courir à travers les airs des colonnes de fumée qui se mêlaient et s'entretissaient dans les airs, de sorte que c'était de nouveaux bâtiments qui se dessinaient au-dessus des anciens, une nouvelle ville qui s'agençait dans l'air. Il devint morne et sombre et perdit toute sa gaieté. Son logement lui devint insupportable, il en changea. Il ne voulait plus aller voir Lizanka. It's falling. December. I'm writing a note just to see if you're better. New York is cold, but I like where I'm living. There's music on Clinton Street all through the evening. I hear that you're building your little house. Les choses capitales, c'est je suis parti d'une nouvelle de Dostoïevski qui s'appelle Un cœur faible, qui en gros traite d'un burn-out, d'un jeune homme qui va devenir fou par peur de déplaire à son patron parce qu'il n'a pas rempli la tâche qu'il devait remplir. Finalement, la compagnie elle existe depuis 6 ans et on n'avait jamais pu créer un spectacle voilà, jusqu'à sa création finale parce que toujours on s'arrêtait au niveau des maquettes et tout. Et là, Samuel et Iris... nous ont permis de faire notre première création, quoi, d'aller jusqu'au bout. Diriger ce festival, c'est une grande mise en scène. En fait, on met en scène des metteurs en scène qui vont mettre en scène des comédiens. Et c'est exactement le même travail, en fait. Donc on doit créer des cadres pour qu'à l'intérieur émergent des choses. Pour que, justement, à l'intérieur de ce cadre, il puisse y avoir de la liberté. Bah ici, l'inattendu, c'est que non seulement
On est dans des lieux qui sont totalement décalés, mais on retrouve après les créateurs, les comédiens, sous la halle, à la billetterie, on se croise, on échange de mots, on parle de ce qu'on a vu la veille. Et ça aussi, je veux dire, c'est un moment extrêmement fort qui participe à la personnalité et à ce côté tout à fait extraordinaire de ce festival. Enfin, on a été en résidence pendant 5 semaines. Et c'est essayer d'adapter cette pièce de Déallower dans le village de Villeréal, avec le milieu, avec les habitants, avec les lieux. J'étais communiste et je voulais tout faire tout seul. C'était une erreur, maman. C'est toi qui le dis, Rosa. Il faut servir. L'humanité, elle a servi. Pendant 40 ans, j'ai rêvé mes rêves dans ce bureau de poste. Pendant 40 ans, j'ai besoin de compagnie. C'est un être humain, moi aussi! Alors, mon cher France, toujours chômeur! C'est un beau métier, France. C'est un beau métier avec une âme et une lourde, lourde responsabilité. Ça me plaît beaucoup. Rosa, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Maintenant, nous allons avoir un enfant. Je connaissais pas, j'avais entendu parler un peu. Il y a des amis qui l'avaient fait auparavant. Le public, je trouve hyper curieux, hyper disponible, C'est différent de Paris. À Paris, on a l'impression qu'on y va un peu comme des consommateurs, comme on va au supermarché, quoi. Alors que là, tu sens que c'est un événement, c'est des côtés festifs, en fait. Bérénice, à 21h30, pour je joue Titus, c'est avec Christelle. Avec San qui met en scène. Et on joue à la gendarmerie, devant la façade de la gendarmerie. Dans de multiples autres lieux en milieu rural, des gendarmeries ont été fermées. Cette gendarmerie abrite une trentaine de comédiens. Ils se sont appropriés le lieu, et principalement cette façade, pour mettre en scène Bérénice. Que pouvait-on rêver de mieux? Quand on fait ou quand on monte une pièce sur le pouvoir et l'amour, que de prendre une façade de gendarmerie pour en développer toute l'intrigue. Cet amant se redonne aux soins de son amour, et si j'en crois, Seigneur, l'entretien de la cour, peut-être avant la nuit, l'heureuse Bérénice change le nom de reine au nom d'impératrice. Hélas! Jugez de ma douleur, moi, dont l'ardeur extrême, je vous l'ai dit 100 fois, n'aimant lui que lui-même. Eh bien, de mes desseins, Rome encore incertaine, attends que deviendra le destin de la reine. Dois-je croire qu'assise au trône des Césars, une si belle reine offensa ses regards? Oh non, une amitié si constante et si belle. Employez le pouvoir que vous avez sur elle. Voyez-la de ma part. Moi, paraître à ses yeux, la reine pour jamais a reçu mes adieux. Vous partirez, Seigneur, mais avec Bérénice. Loin de vous la ravir, on va vous la livrer. Entrons chez Bérénice, et puisqu'on nous l'ordonne, allons lui déclarer que Titus l'abandonne. J'ai fait cette proposition à Villeréal, j'avais déjà beaucoup entendu parler de ce festival et j'ai proposé ce texte de Bérénice parce que je voulais aller interroger le corps de l'acteur et comment le texte par le corps pouvait apparaître. Je savais que c'était vraiment un lieu où on était soutenu pour chercher, pour s'essayer, pour prendre des risques, pour se poser des questions avec toutes les autres compagnies autour. Et on a vraiment l'impression d'être un endroit juste, ou en tout cas juste du théâtre, enfin qui me parle, moi. Et c'est ça que j'ai trouvé très, très, très beau à Villeréal. Champ Libre saison 1, c'est fini. En attendant la suite, retrouvez nos 6 numéros et quelques-uns de nos coups de cœur sur tv7.com. Le temps d'une valse, ou comment une chorégraphe arrive à refaire danser des mamies. La compagnie Carabosse, qui s'est si bien enflammée les nuits de tous les continents. La belle aventure artistique et humaine d'un festival au village à Brieux-sur-Boutonne. Des chapiteaux, des artistes, beaucoup de talents, le meilleur du cirque contemporain se donne rendez-vous à Nexon. La mobilisation des habitants de la Bastide Clérance pour raconter leur village sur les scènes européennes. L'art contemporain accueilli à bras ouverts par les commerçants de Royères de Vassivière. Concerts, résidences, enregistrements, ou comment la ferme de Villefavard s'est transformée en haut lieu musical.
Champs Libres, loin des villes, le magazine des arts et de la culture en Nouvelle-Aquitaine.